Moi, je suis venue ici pour vous parler des chantiers, de la vie des chantiers dans les vieux temps. Les vieux temps, avant qu'il y avait de l'électricité, puis des télévisions, puis tout ça, les jours qu'on a par exemple. Y a-t-il quelqu'un ici que j'en ai vu les chantiers? Attends, ça, c'est ça, non? Les as-tu vus? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas vu les chantiers, que jamais été vu, que tu n'as jamais été trop, et toi tu t'as pas vu le temps? Ok, ben j'ai des photos, tu vois. Pour essayer de faire les photos d'une personne à la fois, je commence avec la fille, là, et puis vous pouvez les circuler. Les chantiers, c'était là pour une raison, c'était pas là plus pour avoir des études de la vie. Comment ça qu'ils ont bâti les chantiers? Oh, grâce à les pêcheurs. Parce que pas cher, le matériel pas cher. Il y a une base à River Source, c'est dans la dernière maison, dans les chantiers pour dormir. Oui, c'est juste ça. Les bateaux, ce n'est pas les bateaux d'aujourd'hui. Ça coûte presque là, à l'entour de ce qu'ils faisaient dans la pêche au courant. C'est pas Soldier's Rip. Soldier's Rip, c'était les tons. En tout cas, c'était très loin du village pour dormir tous les soirs. Fait que les pêcheurs s'en allaient, les lundis matin quittaient. S'en allaient, et puis couchaient dans les chantiers toute la semaine, faire la pêche. Et puis, ça revenait le samedi, après-midi. Samedi, ça, c'est arrivé à la maison le samedi, pour voir la famille. Et pour une autre raison aussi. Papa s'en allait au village durant la semaine du tout pour faire la pêche. Comment ça fait que s'en allait le samedi? Pour s'en aller voir la famille. Oui, pour que ce soit dimanche. Pour aller. La religion est extrêmement importante à ces temps-là. Aujourd'hui, il y a peut-être un niveau qui ne va pas à l'église les dimanches. C'est bien aussi. Dans ce temps-là, les gens allaient à l'église tous les dimanches. Si tu étais malade, tu n'allais pas à l'église. Et si tu étais trop malade pour l'église, le prêtre n'est pas à la maison pour te donner la communion. De temps à autre, pour que tu manques ça complètement. Fait que les gens s'en allaient. Ok, je vais circuler ces photos ici, mais vous aviez combien de chambres dans les chantiers? Deux chambres? Non, mais une photo, je peux toutes les voir, c'est comme ça, les gars, je ne les vois pas. Les chambres, on a les tous les pièces. On a la cuisine, on a comme une petite living room, que tout le monde va parler, tout ça, on a des bedrooms. Ça, c'est les chantiers. En général, les chantiers avaient. C'était comme quatre chambres. On a une personne qui a sauté. Ok, premièrement. Tu rentres dans la chambre et tu fais comme une grande chambre. Et ça, c'était ce que tu mangeais, puis c'était le salon. Si tu jouais à carte, si tu mangeais, si tu faisais tout ça, ça c'était la première chambre. C'était comme un grand. Ouais, grand. À côté, il y avait deux petites salles. Puis une, c'était pour faire la nourriture. Préparer la nourriture, c'était la cuisine. Pas la cuisine, mais le poêle était dans le salon. Mais pour faire la pour préparer la nourriture et ça, puis tu gâtais comme la vaisselle, et puis tout ça. Et les couchettes et tout ça, ça c'est dans ce petit salon qu'on a fait une porte. Cuisine aujourd'hui. Non. La cuisine, c'était là que tu préparais la nourriture. Il n'y avait pas. David, il n'y avait pas de porte qui se fermait, je pense pas. Il y avait des tours à la maison. Et peut-être même quand vous êtes un peu plus vieux que vous êtes aujourd'hui. Parler aux vieillards. Parce que les vieillards, toutes sortes d'informations dans le temps, c'est pas écrit. On a la maison, et peut-être même quand vous êtes un peu plus vieux que vous êtes aujourd'hui. Parler aux vieillards. Parce que les vieillards, toutes sortes d'informations dans le temps, c'est pas écrit. Donc, pour les enfants, si un enfant passait du temps dans les îles, qu'est-ce que l'enfant aurait fait pour s'amuser? Il a dit. Qu'est-ce que vous pensez qu'un enfant aurait fait pour s'amuser? Alice? Jouer avec des cartes. Jouer avec des cartes. Et puis les adultes jouent beaucoup quand ils sont.
le mot auto visiteur qui chante le soir, les jeunes cartes, c'est toujours avec le chien Brittany. Et qui est le pêche sur le. Ça aurait été dangereux pour un enfant d'un mois pour l'hiver d'aller faire la pêche tout seul. C'est une possibilité, ça aurait pris un adulte. Et ça aurait seulement pu être des enfants qui sont plus vieux. Mais c'est possible. J'aimerais en penser à ça. Carly, c'est comme ça que tu peux nous trouver? Oui, jouer dehors peut-être à la plage. Jouer dehors à la plage, encore, il y a le risque, c'est proche de la neige. Pour me jouer. Les enfants jouaient beaucoup à ce temps-là. Les enfants, les parents étaient moins nerveux pour eux. Mon grand-père est avant une chaîne. Allez-y. Ok, alors essayons de retourner en temps qu'il y avait pour s'amuser, vous avez dit aux cartes, vous avez dit peut-être à l'entour de la plage. N'oubliez pas que vous parlez des petits-enfants. Les îles, c'est très beau les îles, mais c'est dangereux à côté de la côte, dans l'hiver. J'en ai peut-être parmi vous qu'on n'a pas vu les chantiers du Rolly. Mais il n'y avait pas d'internet, pas d'électricité, pas de lire des livres. Il n'y avait pas beaucoup de livres. C'était pas... Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les chantiers, je suis allée voir les vieillards. Et j'ai parlé aux vieillards au téléphone, ce qui n'était pas sourd. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des informations, le prix de la pêche, la nourriture, comment préparer la nourriture, comment préparer le feu, comment garder de la viande gelée par exemple, pas de réfrigérateur. Mais je voulais vous poser une question. Vous êtes dans une chantier, c'est l'hiver, c'est vraiment joli. Comment est-ce que vous allez vous manger? C'est vraiment froid. Qui s'appelait comme une chambre extraordinaire.
les femmes ils mangeaient, ouais, ça c'était plus frais. Parce que la cuisine c'était un peu hâte, c'est chaud. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux juste faire l'envers, juste mettre en haut et dire un personne. Il y avait une chambre à coucher, n'oubliez pas, la cuisinière. Ça fait, les gens, ce cas-là, tu avais une espèce de bol, c'était pas beaucoup grand. Tu te mettais une autre chose, puis tu allais dans ces chambres-là. Des pêcheurs, quand même, n'avaient pas vraiment le droit ou la chance de faire ça. Ça fait, ils savaient le mieux qu'ils pouvaient au levier. Parfois, une femme m'a dit que parfois, le pêcheur a mis son bol. C'était tous des hommes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se laver, hein, tu sais, à être devant l'autre. Et se laver un peu, mais généralement, il y en avait par exemple qui ne se lançaient pas durant la semaine. Parce qu'ils n'étaient pas installés pour pouvoir se raser facilement. Ils faisaient ça pour bien m'aider. Les hommes n'étaient pas mal pas beaux rendus à le mettre pour samedi. Ok, on reviendra à comment s'amuser. J'ai quelque chose à faire, mais un gros avantage pour les enfants, c'était que les enfants étaient permis de s'amuser seuls. Ils n'avaient pas tout le temps besoin d'avoir un parent. Mais dans les îles, avec des jeunes enfants, il faudrait vraiment prendre garde. Les enfants savaient comment s'amuser. Si tu mettais des enfants ensemble, ils s'amuseraient avec leurs mains. Tu sais, des petits jeux, des petits cartes. Mais ils socialisaient beaucoup les enfants. Aujourd'hui, quand tu es sur l'internet, c'est possible que tu socialises avec un autre enfant, tu le parles sur l'internet. Mais les enfants, avant, ça s'amusait ensemble. Tous les enfants étaient socialisés. De sous-pied, ça, ce que la mère disait, oh non, vous commencez à me tanner, pourquoi les envoyer non? Trouvez-vous quelque chose à faire, c'est toi qui as fait. C'est curieux, parce que bien sûr, les pêches, ça ne savait pas comment nager. C'est pas trop peur de nager, j'imagine, les gens aujourd'hui peuvent faire ça. Oui? Il y en a plusieurs pêcheurs qui savent comme aujourd'hui. La nourriture, la religion, les jeux, tout ça, la vie dans les villes, c'était comme une communauté, comme le village. C'était comme autre chose. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des jeux, des pères, des frères, des plaisirs, des raconteurs d'histoires. Vous avez de rencontrer des gens beaucoup importants dans la vie des gens. Parce qu'ils se mettaient ensemble le soir pour avoir une visite, les raconteurs de la région, ils savaient comment raconter des belles blagues, des beaux jokes, des belles histoires. C'est, ça avait beaucoup de valeur, ces gens-là. Parce que les gens se mettaient ensemble, puis les raconteurs racontaient des histoires, puis il y avait bien du plaisir avec ça. Ça liait beaucoup, les gens liaient beaucoup. Alors, je pense que c'est tout. Je vous remercie. Merci. De vos questions et d'avoir écouté.